Deuxième finale des Junior Series et retour des jeunes à l'honneur au Golf du Havre. Alors bonjour à tous, merci d'être tous là aujourd'hui pour la finale donc, de la Junior Series aujourd'hui 20 décembre. Je vous rappelle que vous jouez donc en score maximum. Si la balle n'est pas dans le trou, vous la ramassez, vous notez le score de par plus 3 sur la carte de score. Je crois que j'ai à peu près tout dit, normalement il n'y a pas de pluie cette semaine. Bonne partie à tous et à tout à l'heure. Pour la deuxième saison consécutive, les Junior Series ont mobilisé une grande partie des 362 écoles de golf labellisées par la Fédération française. À l'image des jeunes du golf du Havre, réunis pour la grande finale sous l'œil de Pascal Grisot, plus de 5300 enfants ont développé leur sens de la compétition et ont donc répondu aux attentes du projet. L'idée, c'est de faire jouer les enfants sur le parcours. Le golf, c'est un jeu qui se pratique pas sur les practices, mais bien sur les parcours de golf. Et c'est vrai qu'avec les Junior Series, on demande au club d'organiser au minimum 6 compétitions par saison. On ne retient que les meilleures cartes et il y a un classement. Et on mesure ses progrès, pas forcément en visant une cible, encore une fois, aux practices, mais bien en faisant des scores avec une carte à la main et en s'améliorant. C'est ces cartes de score de 1 point, 2 points, son index aussi, et peut-être la future Céline Boutier ou le futur Victor Pérez sont en train de jouer aujourd'hui des Junior Series. Si la moyenne d'épreuves s'est élevée à 6 à l'échelle nationale, certains clubs ont offert davantage d'opportunités de jeu comme au Havre. Le club hôte de la finale a organisé pas moins de 22 compétitions cette année pour ses 54 jeunes de l'école, une récurrence qui permet également de construire un vivier au niveau des ligues régionales. Concrètement, ça aussi alimente nos bases de données en termes de moyenne de stroke play pour la détection des jeunes aussi sur le volet sportif. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis oui, le volume de joueurs classés dans les clubs augmente légèrement, même si on aimerait que ça aille toujours un peu plus. Et ça va dans le sens du développement de la pratique de nos jeunes. En plus de l'attrait sportif, les jeunes ont le plaisir de se voir récompensés par des dotations TaylorMade grâce au soutien essentiel de l'Egal to Digital. De quoi assurer une participation régulière au sein des écoles et de former les potentiels futurs talents du golf tricolore. Ça prend, oui, ils s'attachent à la compétition. De toute façon, à chaque fois, souvent chez les jeunes notamment, l'esprit sportif est assez facile à recréer. Et puis, c'est sûr que pour eux, c'est hyper intéressant de pouvoir venir jouer sur le grand parcours déjà dès le plus jeune âge et de développer ça. Mais c'est toujours sympa de les initier, même maintenant avec le recul, de les voir revenir après, une fois qu'ils ont fini leurs études, de revenir au golf et de rester passionnés et heureux de pratiquer.